Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les sons magnifiques de ce clavier que je viens de recevoir, qui est mon nouveau clavier, mon nouveau bijou, qui est le Polybrut de Arturia. Et donc, voilà, je l'ai reçu, j'ai commencé à le découvrir hier, j'ai essayé les 5 premiers sons, et je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire une vidéo. Voilà, une vidéo où je découvre les sons, j'improvise et je te fais écouter quoi. Comme ça, on le découvre ensemble. Donc, j'ai en plus mon micro, ce qui va me permettre de pouvoir chanter. Donc, je vais mettre une petite réverb sur ma voix, je vais chanter à des moments. Et voilà, on va pouvoir explorer ce clavier qui est assez incroyable parce que tu peux vraiment, avec tous ces boutons, soigner le son. Vraiment le raffiner, lui donner une vie, une consistance, un contraste assez incroyable. Voilà, moi j'ai pas encore la maîtrise de tout ça, mais bon, là on va explorer en gros tous les presets, c'est-à-dire tous les sons qui ont été créés par des sound designers qui sont ici, là tu vois. Il y a plusieurs banques de. Je crois qu'il y en a une centaine, un peu plus. C'est des sons qui ont été créés, et après moi je peux les reprendre et les améliorer, les faire à ma sauce. Voilà, déjà on va explorer tous les sons qui sont dans ce clavier magnifique. Je t'invite à mettre un casque ou des écouteurs pour vraiment profiter de la richesse du son. Et c'est parti, bonne exploration. Oui.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
Et bien voilà, on vient de faire juste la première page. Je vois qu'il y en a une, il y en a une deuxième, hein. Remplie. Et il y en a une troisième. À ce moment de la vidéo, ça fait 45 minutes que j'improvise. Et en fait, je me sens assez fatigué. Et donc je me dis au début que c'est peut-être parce que ça fait 45 minutes que j'ai improvisé sans m'arrêter, donc ça me fatigue. Mais des fois ça m'arrive d'improviser pendant même des heures et pas être fatigué. Je pense que là ça vient des sons qui sont très criards, électroniques, comment dire, un peu trop électriques, voilà. Et donc en fait, par la suite, j'ai exploré le clavier et en fait je me suis rendu compte qu'il n'est pas vraiment adapté à ce que à la musique que j'ai envie de créer. Il a plein de boutons, tu peux designer le son à l'infini, mais finalement c'est pas vraiment la voix que j'emprunte. Et je pense que j'ai fait une erreur dans le choix de ce clavier. Heureusement, je peux le renvoyer, donc je ne vais finalement pas le garder. Je vais explorer encore un petit peu, mais je pense pas qu'il soit adapté. Et puis voilà, par rapport au prix, je pense que voilà, c'est pas nécessaire. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu l'as ressenti ce clavier, comment tu as ressenti ces sons. Voilà, c'est assez électro, hein. Mais il y a quand même des sons qui ont été, je trouve, des sons qui sont doux, des sons assez doux, mais ça reste quand même, bon, il porte bien son nom, Polybrut, ça reste quand même assez brut. Voilà, donc je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu as ressenti à l'écoute de ces sons, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles impros, de nouvelles musiques sur cette chaîne.